les femmes ont offert des bijoux à Chouira. des bijoux Quel verbe est conjugué dans les phrases A et B? Je le verbe, le conjugué, dans la phrase A et B. Comme que L'orchestre est venu. On le verbe venu, venir. Alors, il les invités sont venus de loin. Donc, le verbe est conjugué à B ou le verbe venir. Donc, c'est le verbe venir. À quel temps est-il conjugué et avec quel auxiliaire? Donc, il est conjugué au passé composé. On a le passé composé, l'auxiliaire, l'auxiliaire être, et sont le, le troisième groupe du singulier, on a le troisième groupe du pluriel. Donc, justifier les terminaisons, les terminaisons du participe passé dans la, les phrases A et B, puis les terminaisons des participe passés des phrases C et D. Donc, on a élargi, les terminaisons, élargit les terminaisons en cas de la phrase A ou la phrase c'est donc la phrase a elle est, est venue l'orchestre est venu à l'heure donc l'orchestre qui m'a le sujet elle est masculin adna, le sujet masculin est venu donc maintenant e-naf la kha l'auxiliaire à être maintenant madèche e-naf l'auxiliaire le sujet elle est masculin singulier masculin singulier Hena, les s à la fin. à Le sujet est les, euh, pluriel. Masculin, pluriel. Masculin, pluriel. les s à la fin. Non. La phrase C, la mariée est partie. Le sujet est les n'aident à la fin. Les n'aident singulier. Puis, la phrase Les à Maintenant, ils sont partis. Maintenant le trois, le S le, le sujet, elle est au troisième, il est, au troisième groupe de pluriel. C singulier Et masculin, masculin pluriel, masculin pluriel. N'achetez est maintenant S. par conclusion, je n'aurai pas de goulots. Dans la phrase A est venu le sujet masculin singulier. La phrase B sont venus le sujet masculin pluriel. La f... Sur la question suivante, explique les terminaisons des participes passés des phrases E et F. Terminaisons des participes passés. Maintenant, je vais la phrase E E F. Le grand-père a offert une des bijoux. Les femmes ont offert des bijoux. Qui m'a que singulier on a les femmes le pluriel féminin pluriel. Voilà le terminaison Est m'a que tu il ne change pas. Elle il est conjugué avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire avoir qui m'a il ne s'accorde pas. Donc, la phrase, les phrases ef » sont conjuguées avec l'auxiliaire avoir. Le, le participe passé ne s'accorde, s'accordent pas avec le sujet. Le participe passé, le, le verbe, le verbe le, qui est conjugué, le verbe avoir, il ne s'accorde pas, gamma qui, qui le sujet, le can pluriel ou le cas singulier. Réécris les phrases en remplaçant le sujet souligné par le sujet en gras. Nous avons vu les phrases en remplaçant le sujet souligné par le sujet en gras. La famille a reçu des présents. Les parents du bébé ont reçu des présents.

L'auxiliaire être Les garçons sont venus Donc, les garçons, sont le pluriel Mais pour le masculin, on, a obligé on a dire S Donc, a les filles sont venues On dire s. Donc, ici, S Parce que le participe passé du verbe Il s'accorde quand il est conjugué avec l'auxiliaire être mais l'auxiliaire être Donc, nous voyons pluriel واش فيمينا الا كان بلوغيال كنديرو اس الا كان فيمينا كنديرو او ولا كان بلوغيال فيمينا كنديرو او اس ولا كان بلوغيال ماسكولا كنديرو اس بوحدها نمشيو لافخاز سويفونت إل إل إي ني إيغ دونك هنا كيما كتشوفو تا هنا عندنا لوكسيليغ إتخ هنا ماسكولان فيمينا هنا بلوغيال فيمينان féminin pluriel. On dit elles sont, elles sont nées, on dit de la E, diel féminin, plus S, diel pluriel. À tous les elles sont nées hier. Donc, Michel, question numéro 6. Entoure le participe passé qui convient. Entoure le participe passé qui convient le participe passé donc la famille a dit on est dit on est dit, on est dit es l'auxiliaire avoir donc le le, le participe passé accordé à la famille c'est féminin singulier l'auxiliaire et on a on fait, est, euh, le participe passé qui connaît donc la famille a Dit de jolies paroles à la cérémonie. Mes amis, vous êtes, le verbe être, aller, on a E-accent, E-accent E ou accent, e accent, e, e accent S, on mes amis, féminin, pluriel, donc, un, tel le participe passé, à des comptes féminins pluriel. Donc, vous allez, les au mariage. Mon oncle et papa sont revenus. Maintenant, qui me l'auxiliaire être, Maintenant, mon oncle et papa, les homos pluriel singulier. Donc, je fais le participe passé, le pluriel singulier, les homos revenus, S, de la cérémonie du baptême. Donc, a, la question numéro 7, dans les phrases suivantes.

donc, le participe passé, je vais dire. Les traiteurs ont fait différents plats. Nous avons fait l'auxiliaire avoir. La mariée est bien reçue. Nous la mariée nous l'auxiliaire être la mariée féminin.

on les verbes à l'infinitif, on a donc le participe passé Ils sont partis. Donc on ils, on l'auxiliaire à être, partis, Donc à la féminin singulier, masculin pluriel. Donc le participe passé direct masculin pluriel. On il y a s. Ils sont partis ensemble chez le coiffeur. Ciao, La coiffeuse a fait. Donc on a l'auxiliaire avoir, et bien, le passé est qu'on fait une très belle coiffure de mariée. Nous avons accueilli, adnance, nous avons accueilli, accueilli, tu vois, l'auxiliaire avoir chaleureusement nous invités. Elle est revenue, l'auxiliaire être, maintenant le féminin, sing, féminin singulier. Donc c'est le verbe radica accorda mais le sujet radicon tu as le féminin singulier donc à le euh, féminin singulier donc à non na, e tu as offert dans l'auxiliaire avoir cadélique oh, le le participe passé il ne s'accorde pas la question suivante remplace les sujets en gras par ceux entre parenthèses et réécrit la phrase Fais attention aux accords. Maintenant, nous avons les sujets en gras. Nous avons les accords. la liaison ou le participe passé, mais le sujet. Et il a construit ses salles il y a très longtemps. Non, il a construit ses salles il y a très longtemps. Yann et ils, ont construit leurs salles. Ils ont construit leurs salles. le sujet. L'auxiliaire ou le participant, c'est pas ah, wow, wow. On a ces sales. On a na bleur. Parce qu'il a il. Adna, il. Qu est la phrase suivante. Elle est allée à la compagnie la semaine dernière. L'auxiliaire être ou le verbe aller. Donc, le pluriel et tout le ils sont. allés comme masculin, masculin pluriel. Donc, ici, a masculin pluriel, comme tu vois S. Elles sont allées à la compagnie la semaine dernière. la phrase dernière, c'est La maman a endormi le petit bébé de son nouveau lit. la maman, c'est féminin.

ما تنساوش لا فيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم ولا كنتو اول مره تشاهدوا القناه فاشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش الدروس القادمه ان شاء الله والسلام عليكم